Alors, là, je vous présente la souris Atari. C'est le haut. En fait, j'ai remplacé ce système-là, avec la boule, par un système avec... Je ne sais pas si je vais pouvoir le tourner. Le brancher. On doit là. Ah, laser. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde l'écran, quand je bouge, tout fonctionne. Je vais aller sur le bureau. Bon, comme je l'ai pas entièrement, je suis en moyenne. Voilà. J'ai sur le disque dur. Voilà. Je fais ça. Et c'est relativement précis. Alors le seul souci que j'ai eu sur celui-là, c'est en fait au niveau câblage. Donc en fait, si on prend le papier, là on voit j'ai un contact Atari, un ami qui m'a envoyé la photo de sa souris. Donc là on a noir, bleu, jaune, orange, blanc, rouge, marron et gris sur le dernier slot. Donc le SL3, et lui il a exactement la même souris, celle-ci, et en fait son câblage c'est gris, marron, rouge, blanc, jaune, orange, bleu, noir. Donc en fait, si on va de là à là, si je vous montre précisément, en faisant la comparaison, dans l'autre sens bien sûr, ça serait mieux. Si je vous fais la comparaison comme ça, et ben vous verrez tout simplement que le orange et le jaune sont inversés. Alors pourquoi, je ne sais pas. J'ai contacté la société qui vend ces cartes, qui m'a pas encore répondu. J'attends une réponse. Et en tout cas, ça permet d'avoir une souris Atari optique dans le design original. Voilà.